Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Bonjour Éric, écoute, tu m'amènes dans ton royaume des gardiens de but. Ici, là, on est dans la section où vraiment tout l'équipement est là, particulièrement les jambières. Puis là, tu nous présentes les Vapors. J'aimerais ça que tu me parles un peu de la caractéristique parce que vraiment ici, là, c'est tout est plat. Oui, effectivement. Bauer tentait de percer le marché du gardien de but, excuse-moi, dans les jambières depuis plusieurs années. Oui. Ils ont essayé plusieurs recettes qui ont fonctionné, ou plus ou moins différentes, mais avec la technologie Cortec qu'ils ont introduit il y a 3 ans maintenant avec la ligne suprême, qui est dans la deuxième année du 2X Pro, c'est vraiment un game changer pour Bauer. Le contrôle des rebonds avec la rondelle, c'est quand même assez surprenant la distance qu'un rebond contrôlé avec la jambière peut parcourir. Donc, il va rebondir plus, l'effet comme un peu d'effet trampoline. Boum, la rondelle va plus loin. C'est exactement ça. Puis il y a aussi du composite curve comme qu'on peut retrouver sur certains modèles de patins Bauer à l'intérieur de la jambière qui rend la jambière assez rigide, mais en même temps très légère. Éric, la deuxième jambière que tu nous proposes, c'est celle de CCM. Puis là, d'entrée de jeu, je vois que ici la texture, c'est complètement différent. L'autre, c'était tout à fait lisse, celle de Bauer, la Vapor. Et celle-ci, c'est différent. Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique au niveau de... à part le look, là? Chaque compagnie a leur caractéristique spécifique à eux. Donc, le look, c'en est un. Mm-hmm. Donc, CCM, que ce soit que celle-ci qui est la Extreme Flex 4 Pro ou leur série Premier, il y a un look plus classique, les rouleaux, comme dans le temps de Grand Fjord, si tu veux. Oui, oui. Dans mon temps, là. Dans ton temps, exactement. Je voulais pas le dire, mais... Non, mais je suis correct. C'est aussi léger, aussi performant que l'autre jambière d'avant. Oui. C'est d'ailleurs la jambière que Carey Price porte. OK. Donc, qui est un très bon gardien dans la Ligue nationale. Oui. Donc, cette jambière-là fait amplement le travail. Je remarque, comparativement à celle qu'on a vue tout à l'heure, il y a un niveau de plus... ici, sur le côté du mollet, donc, est-ce que c'est vraiment pour l'assise, pour avoir plus d'appui, ou c'est question de protection? Parce que celle-ci, il y a trois niveaux vraiment, là. Oui. Est-ce que c'est une caractéristique importante de la jambière? Bien, protection et surtout confort. Oui. Et puis, le matériel qu'ils utilisent, le Speed Skin, qui n'est pas un cuir classique comme dans le temps, c'est un matériel qui est différent, améliore de beaucoup la glisse sur la patinoire. Oui, parce qu'on le sent, là, c'est vraiment conçu pour... justement avoir le maximum de glisse, ce qu'il y a sur les deux. Alors, lorsqu'ils se déplacent latéralement, puis c'est une des spécialités de Price, évidemment. Exactement. Hey, Éric, moi, là, mon chandail préféré dans la Ligue nationale, c'est celui des Blackhawks de Chicago. Moi, si j'avais été juste assez bon, mon rêve, ça aurait été d'aller jouer là-bas à Chicago. Pour les Blackhawks. Pour les Blackhawks. Ça, c'est la jambière que j'aurais probablement portée. Définitivement. Puis imagine-toi, Danny, que si tu avais joué pour les Whalers d'Hartford, tu aurais pu avoir du bleu, du vert, puis du blanc aussi. OK. Donc, là, on est dans le custom. Dans les sur-mesures. Comme tu sais, comme tu es un gardien, les gardiens aiment ça personnaliser leur équipement, les couleurs de leur équipe, leur choix personnel, les couleurs qu'ils préfèrent. C'est ça. Donc, tous les fournisseurs, CCM, Bauer, Bryans, Vaughn, puis Warrior, ils te permettent de choisir vraiment toutes tes couleurs sur le modèle haut de gamme. C'est sûr qu'il y a un certain délai de production, mais tu veux vraiment la personnalité de A à Z, tes jambières, ta mitaine puis ton bloqueur. Donc, les couleurs, il y a une panoplie. J'imagine que lorsque je choisis mes couleurs, moi, si je veux un bleu, si je veux un vert, il y a différents... Il doit avoir un éventail de un choix. Oui, exactement. Chaque fournisseur a leur couleur prédéfinie. Tu as différents types, différentes teintes de bleu ou de rouge, peut-être. Oui. Il y a des couleurs prédéfinies. On a des livres où tu vas sur leur site Web. Mm-hmm. Les couleurs sont toutes disponibles. Tu construis ta palle aux zones prédéfinies, évidemment. Mm-hmm. Puis tu emmènes ça en magasin. Puis à ce moment-là, on peut t'aider à construire ta jambière sur mesure. OK. Fait que si je trouve pas ma couleur, je vais pas la faire être gardien de but, dans le fond. Là. Non. Merci. De toute façon, la semaine prochaine, on se revoit. Puis on parle des patins de gardien à ce moment-là.